Amen. Voilà. On attend juste les musiciens, plaquer les notes pour qu'on démarre. Amen. Écoutez, il y a la différence entre la bénédiction et l'élévation. Amen. Il y a des gens que Dieu bénit, il y a aussi des gens que Dieu élève. Et quand Dieu élève une personne, c'est que derrière cette personne, il veut bénir un peuple. On va acclamer très fort pour le père de cette maison. Pour la bénédiction. On acclame aussi pour la vie de notre maman. Alléluia. Dis à ton voisin, je ne suis pas né par hasard. Alléluia. La grandeur d'un homme ne dépend pas de ce qu'il a en main aujourd'hui. Mais la grandeur d'un homme dépend de ce que Dieu a mis en lui. Est-ce qu'on peut pousser des cris de victoire? Je t'annonce qu'en 2018, les données ont changé. La grâce que Dieu a mis en toi va attirer le mariage vers toi, attirera la faveur de... Ah. Est-ce que tu peux pousser les filles de toi? Dis à ton voisin, dis voisin, regarde-moi bien. Je ne ressens pas un malheureux, tu sais ça. Je ressens à un enfant béni de Dieu. Thank you.
Mais parmi les prisonniers, il y a un prisonnier qui m'a appelé. Alléluia. Les prisonniers m'ont regardé en face. Il dit, on peut me condamner pour un jour, mais celui qui libère. Je l'ai regardé en face, il dit, toi tu ne ressens pas un prisonnier. J'ai fini le concert, je sors toi aussi tu sors. Alléluia. Et quand on a fini le concert, deuxième jour, il y a eu la grâce présidentielle, il est sorti de là-bas. Alléluia. Alléluia. Joseph était dans la prison, mais la révélation n'était pas dans la prison. Joseph était dans la prison, mais sa prophétie n'était pas dans la prison. Lorsqu'il interprétait les songes et les chansons, il a eu accès à la monarchie. Oh, oh, oh. I'm not going to be able to do it.